Si on parle des acteurs de la série Le combat pour l'amour, le premier nom qui nous vient à l'esprit, c'est Twinkle, puisqu'elle est l'actrice principale et aussi le centre de l'histoire. Tout tourne autour d'elle. Dans la série, elle joue très bien son rôle, c'est pour ça qu'on l'aime trop. Elle est drôle, gentille et talentueuse. J'en suis sûr que vous l'admirez encore plus après avoir connaître elle dans la vie réelle. Une excellente femme pleine de beauté et à de beaux caractères. Dans cette nouvelle vidéo, avec plaisir que je vous présente Twinkle dans la vraie vie. Sa vraie identité, son âge, son mode de vie, tout sur elle. En tant que fan, souhaitez-vous savoir un peu plus sur Twinkle? Voulez-vous connaître Twinkle dans la vraie vie? Si oui, je vous invite alors à regarder cette nouvelle vidéo. Merci de bien vouloir prendre le temps de rester jusqu'à la fin, l'intro. Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Top Ciné. Nous y revoilà encore pour une nouvelle vidéo. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous gratuitement à notre chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci. Dans la vie réelle, Twinkle s'appelle Jasmine Bassin, née le 28 juin 1990 à Kota, Rajasthan en Inde. À l'heure actuelle, elle va avoir 32 ans ce mois de juin en 2022. Elle appartient à une famille sikhisme, fille de Surpal Bassin et Gurmit Kaur Bassin. Et elle a un frère dont le nom est Mankaran Singh. C'est un mannequin indien qui est devenu une actrice célèbre en Inde. Elle est surtout connue pour son interprétation de Twinkle Taneja dans la série Le combat pour l'amour. Jasmine est aussi adorable à la fois dans le cinéma et dans la vraie vie. Comme son nom du personnage Twinkle indique, elle est très belle et brille comme une étoile. Dotée d'un corps parfait, ayant une belle forme physique si attirante. Elle a plein de charme avec des yeux marron revolver et de magnifiques cheveux noirs. Son sourire est en or qui fait de lui encore plus belle et plus attirante. Elle mesure 1m65 et pèse 55 kg. Pour mieux connaître Jasmine, revenons d'abord sur son histoire. Il est né et a grandi à Kota, Rajasthan en Inde. Depuis son enfance, elle a rêvé de devenir un mannequin et avait déjà la passion pour le jeu d'actrice. Ses parents ont tout de suite su que leur fille était exceptionnelle et aura un avenir radieux, tout comme ce qu'elle devient aujourd'hui. Ses parents sont très fiers d'elle pour tout ce qu'elle a accompli et ils étaient toujours là à la supporter quoi qu'il arrive. Mais ce succès ne se réalise pas juste comme ça. Certes, elle a traversé de nombreux parcours. Après avoir obtenu son diplôme en hôtellerie, Jasmine a travaillé comme stagiaire en marketing chez American Express. Après cela, elle a fait un stage dans l'hôtellerie. Cependant, on lui a proposé une mission de mannequin dont elle a tout de suite accepté. Ses tâches étaient principalement faire des publicités des produits commerciaux et tout à coup, en raison de ses bonnes performances, un réalisateur tamoul l'a repéré et lui a offert un rôle dans le film Vanam. C'était sa première apparition en tant qu'actrice dans le monde de la cinématographie l'année 2011, lorsqu'elle est âgée de 21 ans. Et bientôt, la petite Jasmine est apparue dans de divers films et dans de nombreuses séries en Inde. Allons citer quelques-uns. Son premier rôle était en 2015 dans la série Le combat pour l'amour, dans laquelle elle incarne Twinkle, le personnage principal. Après ça, elle a joué dans Dil Se Dil Tak, dans Fear Factor Katron Ke Kiladi, dans Dil To Happy Haji, dans la série Nagin 4, elle a joué dans Fan Hit Manjari. Elle a également participé dans l'émission Big Boss 14, dans Danse du One 2 et 3. En 2021, elle est apparue dans la série Ladies and Gentlemen 2 et etc.
Jasmine a joué aussi dans de nombreux films comme Beware of Dogs, Carrot Patty, Veta, Jill Jung Jock et ainsi de suite. Vis-à-vis de sa carrière d'actrice, on peut dire que Jasmine a connu une vraie réussite. Elle est devenue une grande actrice reconnue qui a remporté plusieurs prix et nominations. Grâce à ses spectacles, elle gagne bien sa vie et elle est mieux payée. À présent, sa valeur nette vaut 3,5 millions de dollars. Elle vit actuellement à Mumbai, dans une ville luxueuse. Elle est à la mode et stylée. Lors de sa carrière, elle a obtenu plusieurs récompenses, comme l'actrice qui a de meilleurs débuts. Elle est classée au 16e rang des actrices les plus désirables en Inde l'année 2018, au 12e rang l'année 2019 et au 3e rang en 2020. Waouh! Mais est-ce que l'actrice a quelqu'un dans sa vie? A-t-elle un enfant? C'est ce qu'on va découvrir tout de suite. En fait, l'actrice n'a jamais été dans une relation sérieuse jusqu'aujourd'hui. On ne sait pas pourquoi, mais il se peut qu'elle n'est pas encore prête pour s'engager ni pour avoir un enfant, ou bien il se peut qu'elle n'a pas encore trouvé l'amour de sa vie. Bien sûr, elle est sortie avec quelqu'un, mais pas si sérieux que ça. Elle était en couple avec Suraj Wadhwa et l'actrice a même officialisé leur relation en public, mais après de longues années de relation, ils ont séparé en raisons inconnues. Tout juste après ça, Jasmine est sortie avec Ali Goni, qui est également un acteur populaire en Inde, et leur relation dure jusqu'à ce jour. Mais malgré qu'ils s'aiment, le couple n'a pas encore fait la fiançaille ni le mariage. Peut-être c'est bien lui la personne qu'elle a attendue, ou bien plutôt elle attend encore une autre personne. Cette personne ne serait-il pas Kunj? On ne sait jamais. Mais je la souhaite le meilleur, qu'elle se mariera bientôt avec l'homme de sa vie. Jasmine est une femme hors du commun et a plein d'ambitions. Elle a toujours des perceptions différentes des autres. Dans la vie, ce qu'elle aime le plus, c'est d'avoir la liberté et de profiter sa jeunesse. Certaines disent qu'elle est encore immature, mais sache qu'elle est vraiment intelligente et ne fait jamais des choses sans raison. Son secret de sa réussite est de sa confiance en soi et le fait qu'elle n'aime pas du tout faire du mal aux autres. Au contraire, elle adore voir les gens réussir. Selon elle, la vie n'est pas une compétition, mais c'est un voyage. Elle a un grand cœur, gentil et sociable. Non, sur sa carrière, Jasmine n'a fait aucune étude du métier d'actrice ni l'étude du théâtre. Elle a simplement eu le don du ciel. Et sans doute, elle est vraiment douée. Ses principales distractions sont faire la cuisine, la lecture, écouter de la musique, chanter et danser. Ça se voit bien, à part le talent d'actrice, elle est aussi une talentueuse danseuse. Pour maintenir sa belle forme physique et pour sa santé, l'actrice fait régulièrement des exercices et des régimes alimentaires. Oui, l'actrice a plein sens de l'humour. Elle est toujours si joyeuse et adore sourire. Jasmine est également une amoureuse des animaux de compagnie. Les chiens sont ses préférés. D'ailleurs, elle en a un adorable petit chien. Et oui, tout ça, c'est tout Jasmine. Et si on va faire un petit résumé de tout ce qu'on a dit sur elle? Son vrai nom est Jasmine Bassin, elle va avoir 32 ans ce mois de juin en 2022. Fille de Surpal Bassin et Gurmit Kaur Bassin. Et elle a un frère nommé Mankaran Singh. C'est un mannequin indien qui est devenu une actrice célèbre en Inde. Elle est surtout connue pour son interprétation de Twinkle Taneja dans la série Le Combat pour l'Amour.
Sa carrière semble être un vrai succès puisqu'elle a déjà remporté de plusieurs prix et de nominations. Mais jusqu'à ce jour, sa situation familiale est encore célibataire, mais récemment elle est en couple avec l'acteur Ali Goni. C'est son petit ami, mais ils n'ont pas encore fait aucun engagement, ni fiançailles, ni le mariage. Cet homme, est-ce qu'il est donc l'homme de sa vie? On le saura bientôt, pourvu qu'elle décide enfin se marier à quelqu'un qu'elle aime vraiment. Oui, si vous demandez mon avis sur cette actrice, apparemment, elle est très belle et un sacré talent d'actrice. Personnellement, j'aime bien cette actrice. Et vous, d'après tout ce qu'on a dit sur elle, dites-nous comment vous la trouvez. Qu'est-ce que vous aimez le plus sur elle? Son sourire? Sa personnalité ou bien la façon dont elle joue dans la série? Est-ce qu'elle fait aussi partie de vos actrices préférées? Veuillez écrire dans le commentaire. Et si par hasard vous aimez cette actrice, laissez un message pour elle. Voilà donc pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu et si c'était bien le cas, n'hésitez pas de liker, de mettre vos réactions dans le commentaire et surtout n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas manquer aucune de mes prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi jusqu'à la fin, à bientôt.